sur le lit. Maman, je suis sur le sol. Oh. Et moi, là, on est en train de défaire tes cheveux. Je t'acculturais, je voulais m'allonger sur le sol. Mais rien que tu m'attends, parce que je te vois, tu slams tout le temps là-bas, en fait. C'est... Comme tu peux pas regarder. Il y a la musique. Un petit repère où tout le monde peut entrer. Ouais, mais il y a quand même de la musique et des livres. C'est des gens qui sont pas connus qui chantent là-bas? Ah, je sais absolument pas, mais c'est vrai que celui qui s'est enchanté, alors en fait, c'est trop. Mais c'était connu ou non? C'est des lycéens qui ont ça? Non, c'était pas des lycéens. Je pense que c'était ça, un peu connu, mais sans trop forcément. Et là, il y a MHD qui se ramène à culture, hein, bien sûr. MHD, il a dit non, mais Addison, à un moment donné, faut t'arrêter. Coucou la famille! On se retrouve aujourd'hui sur un sac la famille pour faire des crochets braids sur Hikmara. Donc là, je vais vous montrer tout ce qu'on a pris pour pouvoir faire ses cheveux. Mm-hmm. Qu'elles soient toutes belles, toutes on flic pour cet été. Mm-hmm. Donc là, on lui a pris des vanilles qui sont déjà faites. On a pris le crochet et on a pris un peigne pour bien tracer. Et un chouchou pour maintenir l'excédent de cheveux. Donc, c'est parti! T'es prête, Hikmara? Oui. T'es pas trop stressée? Non. T'es sûre? Oui. Ok, bon, bah ça va. Oui. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, je sépare le devant et le derrière parce que généralement, le derrière, on galère à tout relier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes tresses tranquillement devant. Et derrière, je vais toutes les ramener à deux. Deux ou trois, comme ça. Comme ça, devant, je suis tranquille. Donc là, je trace le premier trait pour faire mes cheveux. T'as fait quoi à l'école ce matin? T'as dessiné? Non, j'ai dessiné. T'as dit quoi? J'ai dessiné. C'est quoi ça? J'ai dessiné. Elle te dit quoi? Un film. Ah, t'as regardé un film? Oui. Pourquoi tu dis pas simplement que t'as regardé un film? Oui. Céline, veut pas le film, toi? Non. Ah, coucou. Et moi, toi, c'est quoi? Alors là, du coup, Hikmara, on a fait un premier côté, comme je vous ai expliqué. J'ai fait trois grosses nattes. Et voilà. Une dernière grosse qui fait tout le tour. Et voilà. Ici, on va simplement tresser. Enfin, non, on va simplement fixer à l'aide d'une aiguille. Comme ça, ça fera plus propre. Et je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté. On commence par le devant. Alors, on ferme, on rentre. Ah, que bien faire. Hein. Que bien faire. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ah oui. Pareil, partir. Ouais. Yihi, c'est bon. Hop là. Allez, bon. Comme ça. Allez, bon. Hop. Et on continue pendant tout. Ah, un peu de nous là. Après, en fait, normalement, dès que vous avez fait les tresses, c'est vraiment la chose la plus rapide de juste faire les crochets braids. Faut pas la défaire par contre. Donc sinon, hop là. Et là, pour l'instant, comme vous pouvez le remarquer, c'est assez propre. Alors, ça avance? Ça avance, ça avance. Du coup, là, malheureusement, on a mal envisagé les choses. Du coup, on va devoir les ouvrir, ces vanilles, pour donner un plus beau volume. Parce qu'on a pris que 5 paquets. Et les 5 paquets sont déjà finis? Non, il reste encore 2, mais du coup... Alors, Hikmara, ça va? Oui. Ça te fait pas mal, ça va? Mm-hmm. D'accord. Okay. Elle a été souriée pour dire ça. Oui. Tu penses que c'est facile à faire? On peut les faire soi-même? Ah bah oui, facilement en plus. Après, c'est juste pour natter. Mm-hmm. C'est mieux de le faire avec quelqu'un, mais après sinon c'est très mais facile. Si on sait natter soi-même, on peut le faire. Ah bah oui, 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 c'est vraiment très très simple. D'accord. À savoir que toi aussi tu t'es un peu tu les as fait chez toi, celle-là. Ouais, je les ai testées avant de pouvoir lui faire sur la tête.
Mm-hmm. Alors, Adi, tu avais l'anniversaire de ton copain aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. C'était où? Au Laser Game. Et tu as fait quoi là-bas? Mais on a joué. Mm-hmm. Il y avait des campeurs. Et puis? Après, il y avait quoi? La toute première fois, on commençait, il y avait un groupe de 8 filles. Oui. Si c'était bien ça. Et ils ont crié, on mm-hmm. les attrape. Oui. Tu penses pas qu'elle est très, s'ils sont trop gros ou c'est normal? Non, c'est normal vu qu'on va les ouvrir. D'accord, ok. Bon, ben je te laisse faire. Hein. Okay. Je vais aller continuer ce que j'étais en train de faire à la cuisine. Oui. Et après, on vient voir à la fin, c'est ça? C'est ça. Ok. Attends, j'ai joué. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai joué là. J'ai joué là. Quoi? Ah, audio. J'ai pas compris. Le rodéo? Oui. Ah, tu as fait ça? Non. Ah, tu veux faire du rodéo? Oui. Ça, on va tomber si on fait ça. Hein? On peut tomber. Quoi? On peut tomber. Ils ont transformé le salon en salon de coiffure. Moi, en tout cas, j'adore cette coupe. Je vais aussi refaire la même chose que Hikma parce que j'adore. Je trouve ça simple. Hikma t'inspire beaucoup. Oui, Hikma m'inspire beaucoup en ce moment. Alors, vous êtes où les filles? Là, on est en train d'ouvrir les mèches. Oui, pourquoi? Pour donner du volume. Mais est-ce que ça va pas faire trop de volume pour Hikma? Non. Tu es sûre? Oui. Hikma, tu baisses un peu ta tête pour qu'on voit comment ça donne? Oui. Tu baisses un peu la tête? Oui. S'il te plaît. Non, baisse. Ouais. Elle n'a pas compris. Donc, c'est comme ça, en fait. Ouais. Ça va être comme des boucles, en fait. C'est vraiment. C'est comme si elle a fait des boucles, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, elle va avoir la même chose que moi sur la tête. C'est quoi, en fait, Adi? C'est un Transformer Triceratops. Okay. Par exemple, il arrive. Parwati, vous avez vu comment l'état de ses cheveux? Elle a défait ses cheveux, en fait. Elle a enlevé les mèches. Du coup, elle est en train de les... D'enlever les nœuds. Parce que je vais me faire tresser après. Hein, maman? Mmh. Maman, il faut que j'aille manger, oui ou non? Oui, il faut que tu ailles manger parce qu'il y a tout le monde qui est en train de manger. Tu viens. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Oh mon Dieu. Oui. Vas-y. Go, go, go. Tu vas te faire mal. Lequel? Ah oui. Pourquoi vous squattez la cuisine, en fait? Vas-y. Parce que moi, je vais regarder ma série après. Descends. Anifa, elle est en train d'écrire. Et Claudine et Hikma, ils sont là pour être là. C'est où qu'on mange? Il n'y a que Claudine qui a flippé. Dommage. C'est la plus fragile. Mohamed, il est en train de manger ça. Il est en train de manger des pâtes et des... Merguez. Merguez. Ils sont bonnes, mes pâtes. Ouais. Maman, vous vous rendez compte que dans un... Alors, dans original. Un il va en sixième. Oui. Dans deux ans. Oui, Adi. Tu peux venir, toi, s'il te plaît. Maman, viens. S'il te plaît, tu peux venir, toi. Bah viens, maman, on monte ensemble. D'accord. Ça va être cool. Et toi qui l'as coiffé? Et toi qui l'as coiffé? Je suis KO, on se repose, là. Tu te reposes? Ouais. Avec une bonne glace. Plus tard. Voilà. Tranquille, quoi. Plus tard. Et de vous, là? Moi, je l'ai soutenu par la pensée. Tu as soutenu qui, Anifa? Comment tu fais ça? Claudine? Ah, tu les as soutenus par le penser. La technique. Mais en tout cas, Hikma, ça te va vachement bien, franchement. Rien à dire. Alors, tu as fini de manger? Voilà. J'ai mangé de la salade. Tu as mangé de la salade? Ouais, j'ai plus rien du. Et j'ai mangé un peu de pâte. T'as mangé de la glace? Ouais. Bon, eh bien, on va finir un trou là. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur dit? Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, aimez-nous et suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux. On vous aime, la famille. On vous adore. On vous adore.